C'est parti, coucou tout le monde, découverte de Doom 2016, on est en 2023, vaut mieux tard que jamais, c'est parti. On découvre en ultra-violence, et on verra bien si on s'en sort, ou pas. Alors, courte session, on va dire 1h15, 1h30, grand maximum. Ils sont enragés, brutaux, impitoyables, sans merci. Mais vous, vous serez bien pire. L'éradication, c'est ça votre credo. Ok. Alors, on peut marcher. De base, on court. Je sais pas si on peut sprinter, y a pas l'air. Tirer. Ça. Je sais pas. Oh là là, mon dieu. Oh mon dieu. Quelle horreur. Parce que... Oh non, mais c'est pas sérieux ce jeu. Attends, une seconde. Tac. Ok, c'est bon. Pardon. Du coup, bah let's go, hein. C'est parti, on va... Alors on a déjà vu le tout début pour tester un petit peu les performances graphiques. Mais sinon, bah voilà, découverte du jeu. Il va falloir reprendre le contrôle. Ok. Ah, ma combinaison de Doomguy. Bon, je pense que c'est pas plus mal hein, qu'on fasse des courtes sessions parce que. Voilà, je. Je pense que c'est assez frénétique comme genre de jeu. Impossible de déterminer la cause de l'invasion démoniaque tant que le satellite des opérations sur ressources n'est pas réactivé. Bienvenue. Je suis le docteur Samuel Hayden. Je dirige cette station. Nous devrions pouvoir trouver un terrain d'entente pour résoudre ce problème ensemble. Voilà. Ça, c'est... C'est comme ça qu'on règle les dialogues trop longs. D'accord, donc une fois qu'on les a mis l'OHP, on peut les finir. Au moins mid-HP, je sais rien. Et on récupère de la santé sur eux. Et un shotgun. Je vais pas vous mentir, la session qui suit, je l'ai déjà faite. Oh. Petite seconde.
Je vais me moucher, désolé, c'est l'hiver. Alors, donc on a déjà fait la session, ce qui va suivre. On a une petite salle avec des vagues de monstres. Donc ça, on l'a déjà fait. Par contre, on est mort, hein. On a réussi à mourir. Donc là, si on meurt pas, c'est pas parce que je suis fort, c'est parce que je connais le truc. On a une jolie carte. Bon, c'est parti. Verrouillage actif. À partir de là, ça s'énerve. Toujours essayer de se déplacer si possible. Bah, bravo. Kevin, descend là-haut. Wow. Présence démoniaque et des niveaux non sécurisés. Verrouillage actif. Ok, on est pas mal. C'est quoi le 9, le truc vert? Intrusion de manière terminée. C'est ça. Fin du verrouillage. Donc ça, on avait déjà fait, donc ne vous étonnez pas si j'ai réussi du premier coup. On va se remettre à flot au niveau des munitions. On est pas mal. Alors c'est quoi ça? Ah, c'est de l'armure, ok. On est un peu bizarre l'icône de l'armure. Bon, bref. C'est pas très grave. Donc, on est max munitions. On ne peut pas le laisser quitter cet endroit. Il pourrait tout compromettre. Et eh ben quand même, je vais quitter son endroit. J'assume l'entière responsabilité des atrocités de ces dernières 24 heures. Comprenez toutefois que l'intérêt que nous portions à leur monde n'avait pour seul objectif que l'amélioration de l'humanité. Il apparaît qu'aujourd'hui que nous avons perdu le compte de vie. En effet, mais le risque en valait la peine, croyez-moi. Voilà. Et alors, je dois faire quoi? Sauter comme un débile? Bah, c'est parti. Ah, mais c'est un jeu d'exploration, en fait. Entrée du codex. Est-ce qu'on a envie de se faire chier avec ça? Non. Évidemment que non. Malgré la découverte d'eau liquide sur Mars au début du 21e siècle, la colonisation de la planète n'a eu que peu d'attrait jusqu'à son exploration le siècle d'après. Avec la découverte de la fracture argent en 2095, la construction de colonies et de mines sur Mars devint aussi pratique qu'essentielle pour répondre aux besoins en énergie de la Terre. Toutefois, la nécessité de convertir l'atmosphère et de terraformer la planète rouge sembla une tâche insurmontable
pour toutes les corporations. Corporations, j'aime bien ça. À l'exception d'une seule, l'UAC. Grâce à son application et son dévouement au progrès technologique, un avant-poste fut établi en 2096 et TMC et commença à extraire du plasma agent de la fracture. Argent, pardon. Lorsque le plasma fut soumis au schéma de transfert fermionique de l'UAC, l'énergie argent fut alors produite. Cette formidable aventure finit par porter ses fruits et l'énergie argent devint source d'énergie principale sur Terre. Les nouveaux visiteurs du complexe de l'UAC peuvent prendre pour acquis l'expérience de cette riche atmosphère à la surface, mais il est important de rappeler que quelques décennies auparavant, Mars était un désert inhospitalier où la vie ne pouvait se développer. L'exploration non autorisée de zones d'exclusion en dehors de la base est permise sous certaines conditions uniquement. Les artefacts hautement volatiles sont des sujets de recherche effectués à une distance de sécurité raisonnable de la base et votre sécurité sur ces sites ne peut être garantie. Eh bien, ma foi, fort bien. Donc on a un petit bestiaire. Glory Kills. Pas confondre avec autre chose. Appuyez sur Alt gauche. Ah, ok. Ah, je peux voir combien un mec. Est-ce qu'il faut explorer? J'imagine que non. Hein. Bon, là, par contre, il a pris un petit coup de vieux le jeu. Hein. Au niveau des textures, des montagnes et tout ça. Ah! Il y a du monde ici. Alors, le pompe, il est mignon, mais il manque cruellement de précision. Hein. C'est quoi ça? Oh, on prend cher. Hein. Alors ça va, ça permet de récupérer pas mal de santé quand même ce truc là. On va en abuser un petit peu quand même. Ah merde. Abusons-en. Oh, c'est les plus casse-couilles avec leur boule là. C'est quoi ça? Méga armure. Mais c'est où que ça tire? Ah. Mission faible. Merde. Où est-ce qu'il y a des munitions? Point de passage atteint. Allez! Bah voilà, des munitions. 100 HP, c'est pas mal. Ouais, j'ai un peu de mal là. Oh, je crois qu'on a fait le tour. En vrai, la zone est toute petite. Bleu. Uniquement. Mec, on dirait un Goa'uld. Ouais.
C'est quoi ça? Ah, une grenade. Regardez le didacticiel. Appuyez sur CTRL gauche ou 1 pour utiliser l'équipement à portée de main. Les équipements en temps de recharge. Ok, on peut balancer des grenades. C'est bien ça. Il faut que ça se recharge. Combien de temps? C'est où la recharge? Ah, en bas. Ok, c'est super long. Mais c'est quoi après F1 et F2? Mais j'en ai qu'une sorte. Ah, on va jouer quand même. Un jeu d'infiltration. Pas Doom ça, un jeu d'infiltration mec. Pourquoi je vais gaspiller mes munitions alors que je peux les shooter de loin? Est-ce que le son va un peu fort du jeu? C'est un petit peu pour moi. Du coup là c'est bon, j'ai récupéré ma grenade. Qu'est-ce qu'on a de beau là? Pas grand chose. Là, boum. Ouais. Oh putain. Mission faible, mais mec, c'est pas de ma faute. Hein. Y'a plus de musique là. Quoi cette ambiance du cul là? Oh salut Angel Fire! Le mec qui joue à Tiff, bah oui! Si on peut ne pas niquer ses munitions, pourquoi pas? C'est quoi ça? Ah des grenades! En plus ça part trop vite les munitions. Et pourquoi il y avait une ambiance de ouf tout à l'heure et maintenant il y a une ambiance de cul? Comment va Angel? Ah bah j'ai plus de munitions, ça y est. On doit jouer avec cette merde là. C'est ma gueule le jeu. On ira dans les menus après voir s'il y a moyen de d'upgrade les... Comment on fait pour monter là-haut? Bah d'upgrade les armes quoi, de... Comment j'active ça? Oh j'espère qu'il faut pas réfléchir quand même, c'est Doom! C'est quoi ça? Alors attends, drone de soutien au combat. Bah ouais. Rafale. Amélioration. On peut acheter. Je sais même pas ce que j'ai acheté. Ah mais c'est Doom, c'est pas Eternal. Ouais c'est pas Eternal. Eternal ce sera le prochain. Je vais déjà faire celui-là que je connais pas et je ferai Eternal après que je connais pas non plus évidemment. Toi tu les as déjà fait. Du coup attends, qu'est-ce qu'on a eu? J'ai pas compris. Rafale à compression.
Comment je l'active ça? Bah écoute, on sait rien. Hein. Ah peut-être avec voilà, ok, clic droit. Et là, bim bam boum. J'imagine. Tu tires. Voilà, ça te met une rafale. Ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. On passe. Merde. Moi j'aime bien tester un peu les limites hein, des jeux. Ouais putain. On est où là? Ah. Non, c'est pas trop mon style de jeu, pourtant j'ai essayé. Trop bourrin. Je regarde le chat sur mon téléphone hein, parce que mon écran droit il fonctionne pas. Trop bourrin et fast. Ah d'accord. Prey, ouais, était sympa. J'ai bien aimé Prey. C'est un peu différent. Ouais. C'est plus genre Bioshock, bah les slow FPS, qu'on va appeler ça. Les FPS normaux, quoi. Un peu horreur. Ouais, j'ai beaucoup aimé ces jeux-là. Mais bon, je me suis dit, tiens, Doom, Askip, c'est pas que... c'est pas que trop bourrin non plus, c'est... Et quelques subtilités de mise en scène, etc. On va voir ça. Bon, après, si j'aime pas, hein, je fais autre chose. Hein, y a pas de... En tout cas, on va faire des courtes sessions sur Doom. On va pas se faire des grosses sessions. J'ai pas envie de devenir. Comment on appelle ça? Épileptique. On a fait beaucoup de jeux chill hein, ces derniers temps, donc un petit peu d'énervement bien aussi. Ah, c'est vrai que j'ai des grenades. Du coup, ouais, ça se reload automatiquement, ça. Du coup, j'avais pris un coup là, mais j'ai pas perdu de... De santé, bizarrement. Ouais, elle est bizarre l'ambiance. Qu'il n'y ait pas vraiment de musique prédominante. Comment on va là-haut? On s'en branle en fait, je pense. Voilà, on y est. Shield, ok, 25 micros. Oh, y'a du monde là, non? Munitions faibles, oh là là, mais les gars, on a tout le temps des munitions faibles. Santé aussi, elle est faible là. Ok, plus de munitions, trop bien. Faut y aller en slow quand même en vrai. Ah merde, c'est raté ça. Ah putain! Ah, je me suis fait exploser par les putains de barils! Remento! Bien immergé dans Talos Principle 2 en ce moment. Ah, je l'ai fini, j'ai bien aimé! Alors j'ai bien aimé, mais j'aurais préféré
être un peu plus surpris. J'aurais bien aimé être un peu plus surpris. Mais sinon, ça se fait bien comme jeu. C'est propre, c'est pas mal. Bon, on s'est fait baiser, hein. Pourquoi j'ai que 12 munes? Ah, c'est parce que... Je suis pas fou. Ok, on recommence. Ah, du coup, c'est... Faut être prudent, hein. Ah, mais eux, ils font trop mal, ces cons, hein. Ah, mais crève! Faut pas que j'avance comme ça. Il y a du monde là. Je peux avoir des munitions? Ah là-haut. Non, c'est des grenades. Ah, y en a. Oh la merde! On est bien niveau santé. Principal. Munitions faibles. Oh mais les gars, vous êtes trop méchants avec les munitions. C'est quoi ça? C'est pas resté grand monde. T'as mis difficulté max? Ouais, j'ai mis ultra violence. Les deux derniers modes de difficulté sont pas accessibles en new game. Donc on est au max de la difficulté, qui me semble pas trop mal en vrai. Ah merde. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a tué tout le monde, non? Comment je vais là-haut? Oh! Incroyable. Encore des gens? Allô? Ah! Pourquoi ça s'ouvre? Attendez. Ah ah! Et là-bas dans le truc. On aura rien de spécial, je pense. Et bah let's go. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça sert à rien. Bienvenue dans l'USC. Nous comptons à présent 221 jours sans incident. Ah Blazaï. Avec visée automatique, tout ça. Dieu, c'est God mode. Mais imaginez où nous en sommes, s'il avait poursuivi son œuvre. L'UAC aspire à l'excellence. Voilà pourquoi nous avons instauré la seconde mission. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai terminé la première mission. Ok, d'accord. Excusez-moi, j'ai eu peur. J'ai fait juste cette zone et j'ai stoppé le jeu. Faudrait que je relance un genre. Ah ouais, t'as joué 10 minutes, quoi. Oh, si tu as 30 minutes en vrai. Oh, c'est incroyable. Il me reste même pas une heure. Bonjour,
Je suis Vega, l'intelligence artificielle de la station martienne. Après avoir réalisé un diagnostic de l'armure Praetor, il apparaît que je peux activer des défis optionnels qui, une fois terminés, permettront d'améliorer votre arsenal plus rapidement. J'ai ajouté un composant de suivi à votre dossier. Merci. Mission A. Ah, le défi, tuer deux possédés d'un seul coup avec le shotgun. Ça, ça arrive si ça arrive. Hein. Effectuer 5 glory kills différentes. Ça, c'est quoi? C'est aléatoire, les glory kills, on est d'accord? Et trouver 3 secrets. Alors ça, je sais pas du tout. Est-ce qu'on voit les autres missions? Exploration, secret, garde d'élite, cellule de l'argent. Et drone de terrain. Donc le drone, on l'avait trouvé tout à l'heure. Alors attends. C'est de la merde ça, on s'en fout. Je vais garder mes points. J'en ai pas de toute façon. J'ai gardé mes points, mais j'en ai pas. Ça serait pas mal. Je peux l'acheter ou pas? J'ai pas de point. Espèce idiot. Ok. Bah alors, ne me montre pas tout ça si j'ai pas de point. Comment on voit les autres missions qu'on a fait? On peut pas le voir. C'est dommage. Eh ben, let's go. Rebrancher l'alimentation de la station. L'alimentation principale déconnectée. Toutes les entrées sont en service. Effet noir, j'ai peur. C'est quoi ça? Ah, ça marche pas. Alimentation principale déconnectée. Toutes les entrées sont hors service. Tout va bien. Mais bientôt, il pourra pas jouer à ça, hein, ça fait trop peur. Hein. Ah, j'ai fait un double kill, on est d'accord? Ça va pas compter. Oh les bêtes. Déconnecté. Toutes les entrées sont hors service. C'est quoi ça? Putain, 2 munitions déjà. Arrêtez de chouiner. Il n'est pas question de vous mentir, en particulier aujourd'hui, tandis que vous allez connaître vos toutes dernières heures en ce monde. Toutes les rumeurs, tous ces sacrifices humains, le portail infernal et les démons. Malheureusement, tout est vrai. Mes chères sœurs et mes chers frères, soyez heureux. Vous serez les premiers. Vous serez assis à leur côté, au même titre que moi, dans ce tout nouveau monde qu'ils sont en train de concevoir rien que pour nous. Aujourd'hui et maintenant. Tiens, il y a le FPS Kingpin qui ressort. L'époque des jeux sombres, style Manhunt. Ah, c'était horrible, Manhunt. Je censurais comme Carmageddon. Il n'est pas question de vous mentir. Ouais, c'est bon. En particulier oh, il y a un truc là. Tandis que vous allez connaître vos toutes dernières heures en ce monde. Toutes les rumeurs, tous ces sacrifices. Le grand explorateur. Allez les gars, là, c'est pas de l'exploration ça? Malheureusement, tout est vrai. Mes chères sœurs et mes chers frères, soyez heureux. Vous serez les premiers. Vous serez assis à leur côté, au même titre que moi, dans ce tout nouveau monde qu'ils sont en train de concevoir. Technologie de cartographie. Aujourd'hui et maintenant. Oh, c'est fat. Hein.
Ok, bah let's go. Oh la rebondit sur... Mes chères sœurs et mes chers frères, soyez heureux. Vous serez les premiers. Vous serez assis à leur côté, au même titre que moi, dans ce tout nouveau monde qu'ils sont en train de concevoir rien que pour nous. Ah, on pouvait pas sauter là. Aujourd'hui et maintenant. Bref. Allez, let's go. Let's go les poulets. Il n'est pas question de vous mentir. Non mais c'est bon, tu vas pas répéter en boucle par contre. Ah, il va mort, le bâtard. En plus, ça te dit. La map dit où est-ce qu'on est déjà allé ou pas. Ah ouais, ça dit tout. Genre là, il y a un petit secret. Il n'est pas question de vous mentir. En particulier aujourd'hui. Tandis que vous allez connaître vos toutes dernières heures en ce moment. Toutes les rumeurs. Tous ces sacrifices humains. Ah bah, je suis déjà max. Le portail infernal. Et. On peut encore monter ? Malheureusement, tout est vrai. Allez. Mes chères sœurs et mes chers frères, soyez heureux. Ça sert à quoi ? Vous serez les premiers. Vous serez assis à leur côté, au même titre que moi, dans ce tout nouveau monde qu'ils sont en train de concevoir rien que pour nous. Aujourd'hui et maintenant. Ce qu'on a fait là. Explorateur du dimanche. Mais c'est carrément moi l'explorateur du dimanche. Je peux sauter là ? Il n'est pas question de vous mentir. Impeccable. En particulier aujourd'hui, tandis que vous allez... Oh ! Ça a ouvert ça ! Ah mais c'est trop bien ! Mais j'ai crevé là. Ah je peux... Ah oh, c'est trop stylé. Ah les souvenirs. Par contre ça marchait pas le finish sur... Oh là là. Trop bien. Vos toutes dernières heures en ce moment. Bon, je me suis fait un peu défoncer par contre par ces connards là, mais c'était rigolo. Le portail. Présence démoniaque à des niveaux non sécurisés. Verrouillage actif. Point d'amélioration d'armes. On a bien de la munition. Ah, nickel. C'est quoi ça? Les trucs font chier là. À tirer de loin. Eux aussi, hein. Ça, ça va. Intrusion démoniaque terminée. Impeccable. Fin du verrouillage. Oh ! L'UAC s'enorgueillit d'accompagner les élèves de son personnel. Chaque année, nous nous attachons à ne recruter que l'élite des candidats. L'élite de la recruter à votre niveau. À vous, à vous, à vous, à vous,
serez peut-être sélectionné pour la mention d'âme de cette année. C'est quoi ça? Là-bas. Attends, j'ai tout. L'UAC et le monde compte sur nous. Êtes-vous dévoué à la cause? Elles sont immenses les maps, hein. Merde, c'est pas là. Je suis arrivé d'où, moi? C'est quoi ça? Ah, c'est pour se soigner. Je suis arrivé de là, moi. On peut pas aller là. On crevait. Ah, mais si, j'ai tout fait là, à ce niveau-là. Ah bah bravo, ils m'ont suivi, c'est con. Du coup on peut les tronçonner maintenant. Ah bah non, je peux plus. Comment je fais? Il a juste dit qu'il y avait un log là. Ça veut dire qu'on l'a eu ça, parce qu'on l'a ramassé. Ouais, on va dire que oui. Hein. UAC, que choisir? Donnez-moi des balles, s'il vous plaît, bande de trous de balles. Comment on ouvre ça? C'est quoi ça? Ah, c'est pour le la tronçonneuse. Le problème c'est que... Ah! Comment ça soit? Comment ça croupit? Non mais genre, s'accroupir c'est la... Ah les bâtards! La touche s'accroupir c'est pour jeter une grenade. Attends. Pourquoi ça rame dans le menu et pas dans le jeu? Clavier, souris, commande... S'accroupir, c'est... Ah non, c'est contrôle. Ça, ils ont mis contrôle pourquoi alors? Contrôle gauche ou souris 3? Oh bah non. S'accroupir, contrôle, les gars. Ok. Ah, mieux. Ah, du coup, je me suis fait dépouiller le cul, là. Ah, c'est vraiment des trucs de tricheur quoi. Là je peux pas aller là-dessus. Non. Ah ouais, on peut tricher. Il s'est passé quoi là? Façon de me dire... ouais, il était sympa le petit passage à l'ancienne là. Qui mettait plus de 5 minutes réelles à se lancer. Ouais, les temps de chargement et tout, c'était horrible. Hein.
Les contacts qui possèdent Manant. Ouais, faut les trier, ces contacts-là. En vrai, dans le style Manhunt, pas vraiment Manhunt, mais un plus action machin, il y en a Dogs. Ah putain, c'est quoi, c'est... Ah, je sais plus le nom. Ça finit par Dogs. Putain, on doit tout retaper par contre, c'est un peu abusé, non? Non, c'est pas Watch Dogs. Je vais crever là! Sleeping Dogs, voilà, c'est ça. C'est assez... C'est Space aussi, ça. Hein. Jamais fini. Oh, je suis même jamais allé très loin dans le jeu, je crois, mais... Mais l'ambiance était assez barrée, quand même. Hein. Le jeu nous a baisé là un petit peu. Attends. Ah bah super, merci. Ah, tu joues clavier souris. Bah évidemment, mec, c'est un FPS, je vais pas jouer avec une manette. C'est un FPS où il faut viser. T'es ouf toi ou quoi? T'es complètement ouf toi ou quoi? Donc là, tranquille. Pas d'assistance à la visée. Allez! Bref, salopère! Mais putain, mais c'est quoi qui me bute là? Deux fois que je me fais bait. Putain, mais c'est pas possible. Oh mon dieu, et on doit recommencer à chaque fois. Ça rend ouf quand même un petit peu, non? Oh, mais il se passe quoi là? L'UAC sont dans le d'accompagner le développement de son personnage. Nous attachons à un recruteur de l'UAC. Ouais, je me fais tellement niquer là. Ah là 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 là, du coup. Est-ce qu'on refait encore une fois là pour se faire niquer? On décide qu'on en a marre de mourir. Accès refusé. Autorisation de nouveau jeune demandé. Mais de toute façon. Je crois qu'on est obligé d'y aller. Puisqu'il faut la carte jaune. Et on l'a pas. Je crois que c'est pas un truc bonus, hein, c'est un truc obligatoire. Ouais, c'est... Je croyais que j'avais trouvé un super truc, mais pas du tout. C'est le chemin normal. Ah, mais c'est ça qui me pousse! Ok, c'est bon, j'ai compris. Pas très précis comme arme, ça. Tire un peu où ça veut.
Ok, donc ça, on a un putain de wagon qui me pousse là-dedans. D'accord. Hop, il arrive de là. Et il... Ok, c'est bon, j'ai compris, là, ça va. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Bon, bah du coup... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, juste que je saute, en fait. Voilà. C'est aussi simple que ça. J'ai pas compris la tronçonneuse. Faudra que je modifie un petit peu les raccourcis. Je ferai ça tranquillement chez moi. Accès refusé. Là, pour l'instant, on va découvrir un petit peu le jeu, mais demander. J'optimiserai. En live. Ah, il faut buter ce machin là. Ah, c'est là qu'il y a de la zik. J'aime bien quand il y a de l'ambiance. Ah, t'es déjà mort. Et j'ai l'impression d'avoir jamais de munitions, mais d'en avoir toujours quand même un peu. Là j'en ai plus par contre. Ah, il y en a là par terre. Après faut se promener hein, pour avoir des munitions. Ça la manette ça doit être en enfer hein. En vrai, on s'en sort pas trop bien. Pas trop bien, pas trop mal. On s'en sort pas trop bien. C'est parce que je joue à CSGO en ce moment, donc les réflexes sont revenus. Alors, on est où là? Tac. On dirait qu'il y a un truc qu'on n'a pas récupéré au-dessus, en face. Mais je sais pas si on peut y aller en vrai. Ah ! On dirait que si, hein. Là au-dessus. Non. Non, on peut pas y aller. C'est là en face, c'est ça ? Je sais pas d'où on y accède alors. Oh, j'ai cru que j'étais mort. Bon, après, normalement, ça va sauvegarder. Hein. Non, c'est pour venir en arrière. Ça, c'est quoi? On peut rien faire là. Trop d'exploration dans le jeu.
Alors, tir explosif. On l'achète, mais avec, avec quoi? Avec un coup de poing, c'est ça? C'est la monnaie d'échange? Bon, genre, j'appuie sur R. Ça, c'est nul. Ah, ça c'est bien! Donne-moi ta clé, connard. Ouais, non, c'est bien ça. Ça j'aime bien. Et ça? Oh, ça compte juste une munition en fait. Ah non, ça compte zéro parce que c'est juste. Ça met du temps pour se recharger. Ah, c'est trop bien. Ah, défi terminé. Fallait en tuer deux. Et trouver trois secrets, on est à 2 sur 3, on est pas mal. Ah, il y en a beaucoup en fait, il y en a 3, 6, il y a 8 secrets par map. En même temps, elles sont immenses les maps. Ça, on est bon. Accès accordé. Bienvenue dans la station martienne de l'UAC. Situé dans l'immense bassin d'impact de Hellas Planitia. Ce site d'excavation et de recherche avancée repousse chaque jour les frontières de l'imagination. En tant qu'employé dévoué, votre loyauté est plus qu'un simple engagement envers l'UAC. C'est un engagement pour l'avenir de l'humanité. Merci. 60 balles. Aucun module. Qu'on peut pas viser précisément avec les armes, c'est un peu bizarre. C'est de la merde ça. Quoi ça? Oh, ils ont des boucliers les bâtards. Ah, des fois ils donnent des munitions en fait, ok. Ouais, super. Il y a plus grand monde là. Ah, des fois tu veux descendre. Ah non. Oh, j'ai fait de la merde. Elle était quasiment terminée la zone, je pense. Il restait pas grand monde. L'enfer dévore les indolents. Le mouvement est la clé de la victoire. Ouais. D'accord. Bon, bah, on recommence.
que c'est ça. Il faut le prendre ça ou quoi? Ah mais fallait le prendre. C'est un mode berserk. Ouais, mais ça marche bien quand même ça. C'était plutôt efficace. Bon, la prochaine fois on aura plus peur de le prendre. Merde, ça veut ça. Ils sont bien mobiles ces petits cons là. Ils crèvent. Oh, ils vont pas descendre. J'ai raté ça. Est-ce qu'on peut lui mettre des... Ah bah oui. On est bon là ? Ah non, encore lui. On a tout vu. Lui, il nous le dit normalement. Juste en bas, on n'est pas allé, mais c'est où on est mort à l'heure, tiens, en bas là. Ah bah, c'est plus calme hein, d'un coup. Ah, t'es en dessous là, à gauche. Il y a quelque chose là. Pas l'air. Ouais, bah on a tout visité. Hein. Ok, zone terminée. J'ai le réflexe de recharger mes armes. Tout dans la finesse toujours. Je recharge avec mon clic molette et du coup bah, ça balance une grenade. Alors qu'il n'y a pas besoin de recharger cette arme dans ce jeu. Venez au terminal Vega, je vous donnerai ce que vous voulez. C'est rare pour un FPS de pas avoir de chargeur. Bonne partie du niveau, je sais pas si on aura le temps de terminer. Peut-être, si on perd pas trop.
triste hein, qu'il n'y a pas la musique. Je fais quoi avec ça? Ça sert à quoi cette merde? Encore là, on dirait. Non ? Ah non. Ça sert à rien, ça. Ouais, puis j'avais venu là. Chiant, eux. Oh, il veut niquer mes munitions. C'est quoi ça? Ah, 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 je crois qu'il y avait une vitre quand j'étais protégé. Ah, pas de tout. C'est qui? Chouine là. De l'autre côté. Ah, en haut à gauche, il y a... J'irai. Hein. Pas trop mal comme ça. Donc là derrière. Résistance. Ah, c'est un point. Non, on avait déjà un point, non? Augmente la résistance aux dégâts d'explosion. Augmente la capacité d'équipement et de... Alors, deux grenades. Augmente les effets des pouvoirs. On va faire là un peu de résistance aux explosions, c'est vrai que c'est un peu la merde des explosions. Ouais. Attends, c'est les... c'est pas les mêmes points, d'accord. Ok, ok. Il y a des points pour les armes et il y a des points pour les pour le perso. Là, c'était pas un secret ici. Ça par contre c'est pas mal. Ça augmente la taille de l'explosion. Ouais. Dans 10 minutes. Oui. Ça te va? Oui. Tiens,
Pour l'instant, on va laisser comme ça. On va pas améliorer les armes pour l'instant. On va jouer avec les armes de base. C'est quoi ça? Munitions. Ok. Et on verra si s'il y a besoin de faire plusieurs dégâts, on le fera. On améliorera les armes. Mais pour l'instant, on va laisser comme ça. On va pas trop s'emmerder. A pas mal de dégâts. Petites armes. C'est un cadeau. Tenez. Merci. Il vous donnera la force nécessaire pour poursuivre votre route. Si vous supportez le choc initial. Pokéball. Augmente de façon permanente la quantité maximum de santé. Alors, attention. Pourquoi ça rame du cul là quand c'est comme ça? Munitions. Armure. Santé. En vrai, je préfère les munitions. Moi. Vous venez de vous prendre une dose argent. Votre système semble encaissé. Je vais déverrouiller les autres cellules d'énergie. Ça marche, Angelfire, merci beaucoup pour le lurk. Et bonne soirée à toi. Donnez-lui ce qu'il veut. De toute façon, je vais pas tarder à arrêter. Hein. C'est vraiment une courte session là. De l'UAC sont morts. 81% du complexe a été verrouillé. La présence démoniaque dans l'installation martienne est critique. D'après les archives du Dr. Hayden, l'invasion a débuté dans le laboratoire Lazarus. Il semble qu'une onde infernale a été activée, transformant 64% des employés de l'UAC en créatures qui errent dans le complexe. Les autres ont été tués par les démons libérés de leurs cellules de détention, par Olivia Pierce. Permettez-moi de vous présenter mes excuses pour ce qui vient d'arriver. Certains de mes employés ont fait preuve d'un peu trop de zèle. Olivia en est la cause. Et vous devrez régler cela en temps voulu. Nos recherches peuvent vous déplaire. Mais sachez ceci. Nous avons exploité les ressources de l'enfer dans l'intérêt de l'humanité. Ce que vous voyez ici est le prix à payer pour cette évolution. Mais cela n'a plus d'importance. Il y a une urgence dans la fonderie. Les régulateurs ont été détruits et la température du cœur est en train de perdre en stabilité. Ils ont envahi le site voisin. Si les turbines ne sont pas relancées, aucun de nous n'y survivra. Ah. Je peux partir ? Arrêtez la fusion. Rejoins le sas de la fonderie. Il y a un truc en hauteur là. Ah! Oh, petit bonhomme! Il y a deux objets de collection Doomguy dans chaque carte. Chaque objet trouvé débloque un modèle consultable depuis le menu objet, on s'en fout. Ah bon, on a fini.
la mission. Ok. Eh ben superbe. Comme ça, on peut s'arrêter là-dessus. Bon, c'était sympa. Moi, j'ai bien aimé. J'aime bien. Ça change. On fera pas ça tous les jours. Mais on fera une mission de temps en temps.